Look at your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash line. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew love like this would leave. Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo pour une journée dans mon assiette, voilà j'allais dire recette. J'ai déjà commencé, je vous fais l'intro maintenant parce que je tourne deux vidéos en même temps, voilà en espérant y arriver. Donc dimanche dernier j'ai pas eu le temps de poster de vidéo, je suis désolée vraiment je croule sur le travail mais vraiment je pensais avoir un peu plus de temps une fois que le 20 fois sans fraîche et Thermomix allait finir mais au final ils ont prolongé et en plus ils ont sorti, enfin maintenant ils ont le choix entre le blanc et le noir, bref avec des cadeaux etc, donc au final je fais encore plus de travail mais tant mieux, franchement je me plains pas. En tout cas merci beaucoup à toutes celles qui m'ont fait confiance, à toutes mes clientes, à toutes celles qui me recommandent, c'est aussi grâce à vous que j'arrive à avancer. Et bah pareil avec Shogun etc, les commandes de parfums pour Noël, j'essaye de vraiment être à jour pour que les gens reçoivent avant Noël, puisqu'après il y a un certain délai, c'est même pas au niveau de Shogun j'allais dire, c'est surtout les transporteurs. Mais c'est pareil pour tout le monde en fait, en période de fête il y a un peu plus de temps pour être livré. Donc bref, c'est juste pour vous dire le pourquoi j'ai pas réussi à finir ma vidéo, à la monter etc pour dimanche dernier. Donc cette semaine normalement si tout se passe bien, il y aura une vidéo recette, une journée dans mon assiette et une vidéo morning routine parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là j'ai déjà préparé le petit déjeuner, donc je vais vous mettre tout de suite notre petit déjeuner et on continue avec la suite de la vidéo. Ce jour-là, je me suis réveillée hyper tôt. Franchement, je n'avais pas forcément prévu, mais j'arrivais plus à dormir à partir de 4h du matin. Du coup, bon, bah, ça faisait quand même un petit moment que j'étais réveillée avant de préparer le petit déjeuner. Je me suis fait donc un café, mais généralement, j'attends vraiment de déposer les enfants à l'école pour pouvoir déjeuner. Donc là, je me suis fait un café et comme bah, souvent, enfin bon, comme beaucoup de matins, j'ai fait des pancakes parce que c'est hyper rapide au Thermomix et que les enfants aiment beaucoup. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'étais chez ma mère pendant quelques jours et je n'avais pas le Thermomix. Je peux vous dire que les enfants m'ont demandé des pancakes plusieurs fois et bien j'en ai fait qu'une fois parce que c'était vraiment une galère. J'ai dû à chaque fois sortir plusieurs choses, la balance, bref plusieurs saladiers, réchauffer, enfin bref faire fondre le beurre au micro-ondes etc. Et je n'ai plus l'habitude, voilà, c'est tellement facile au Thermomix, donc j'essaye de varier quand même. Il y a plusieurs recettes de pancakes, il y a les pancakes à l'américaine, parfois je mets des pépites de chocolat, parfois je mets de la vanille, parfois je mets de la fleur d'oranger. Ici, c'était une recette de pancakes à la cannelle et à la vanille, et franchement, ils étaient super bons. Voilà, c'est un bon petit déjeuner, je l'accompagne de fruits, un petit chocolat chaud, etc. Et vraiment, c'est quelque chose qui me prend 5 minutes à faire, parce qu'en fait, il y a juste à tout mélanger. Et comme j'ai une poêle ici qui a plusieurs petites compartiments, si je peux dire comme ça, bah, c'est hyper rapide à faire. Et aussi à cuire. Bref, j'aime bien, ça leur fait un bon petit déjeuner avant de partir à l'école. J'aime bien qu'ils aient le ventre bien plein. Bref, d'ailleurs pour celles qui seraient intéressées, le 20 fois sans frais finit le 10, donc normalement je vous poste cette vidéo le 8, ça finira deux jours après, et bien sûr c'est un financement que vous pouvez solder à tout moment ou payer par anticipation, donc n'hésitez pas à venir me voir en MP pour celles qui seraient intéressées. Pour le petit déjeuner, comme vous avez vu, c'était des pancakes. C'est franchement, c'est marrant, c'est le petit déj des enfants. Moi, ça va hyper vite avec le Thermomix. Je l'ai fait en 2 minutes.
avec ma poêle qui a plusieurs petits compartiments, voilà, c'est hyper rapide, vous savez, c'est pas comme une poêle où vous êtes obligé d'attendre comme les crêpes, etc. Donc bah, ça me dérange pas de le faire le matin même. Des fois je fais un peu plus et je garde dans mon petit pot de la pâte pour le lendemain, ce qui me fait gagner encore plus de temps. Et j'essaye de varier, voilà, des fois c'est des pancakes classiques, des fois c'est des pancakes pépites de chocolat, myrtille, là j'ai fait vanille, cannelle, d'ailleurs c'était très bon. Bref, donc j'ai vu de partout la recette de cookies géants, donc j'ai trop envie de la faire, on va tester ça. Et ensuite pour le soir, pour être un peu plus light, puisque hier on a mangé une raclette, c'était trop bon, c'est la deuxième depuis, depuis qu'il fait froid là. Et donc du coup on va faire, je vais faire une petite soupe. Alors juste avant ça, je vais vous mettre juste ici une petite démo que je devais vous poster justement le jour où j'ai pas posté de vidéo, pour ne pas prendre trop de retard dans mon travail. Et ensuite on poursuivra avec le reste de la vidéo. Pour partir, je voulais vous montrer cette poussette compacte. Elle tourne à 360, elle est de la marque Asho Mini Elf. Elle est vraiment légère et compacte, c'est une poussette réversible et le dossier il est inclinable jusqu'à 170 degrés. Donc c'est vraiment top pour tout ce qui est avion. Elle est en rose mais vous l'avez aussi en verte. Donc comme vous voyez ici, elle a un cache pour, ça c'est pour les plus petits. Mais ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre les jambes, hop, vous voyez. C'est vraiment avec les formes des jambes pour bien couvrir les enfants. Ici... vous avez pour les pieds. Et ce qui est bien, c'est que quand vous tournez le dossier, comme je vous ai dit, qui est à 360, vous avez un petit bouton juste ici jaune et il y a juste besoin de tourner si vous voulez mettre face. Et ça, ce qui est top top, c'est que ça se remonte. Donc ça, c'est super bien. Ici, vous avez la protection en cas de soleil ou de pluie. Et le dossier, il s'incline pour être en position allongée. Donc ça vraiment c'est vraiment très très bien. Franchement elle est super bien, super compacte, même elle est ergonomique et même la matière elle est vraiment bien. Et pour la replier, je vais vous montrer, c'est hyper simple, il vous suffit juste de mettre le dossier en avant, d'appuyer sur les deux boutons et voilà. Hyper compact, il y a une petite poignée en plus ici pour la porter, donc franchement super bien. Elle prend pas beaucoup de place et pour la rouvrir c'est pareil, hop, vous pouvez même le faire d'une main. Même les roues elles sont hyper fluides, je vais vous montrer. Ici vous avez le frein, donc un petit peu comme toutes les poussettes, et je vous montre au niveau des roues, franchement elles sont assez grosses, voilà, et elles tournent à 360, donc ça c'est vraiment bien. Et pareil pour la montée, ça a été hyper facile. De toute façon elle est livrée avec le manuel d'utilisation et moi je vous mettrai tous les détails en barre de description. Ici au niveau de la sécurité, comme vous voyez, la ceinture elle est bien rembourrée, au dossier aussi, et vous pouvez même détacher à une main comme vous voyez, hyper pratique. Dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Du coup pour le repas de ce midi, ça va être des aiguillettes de dinde à la crème et champignons. Normalement c'est des pâtes mais moi je pense que je vais mettre du riz. Donc je vous montre un petit peu les ingrédients comme d'habitude. Hop, huile végétale, oignons, escalope de dinde détaillée en lanière, champignons, de l'eau, un fond de volaille en pâte maison ou en cube, peu importe.
de la crème fraîche fécule de maïs, donc maïzena, sel, poivre, moutarde, des nouilles et de la ciboulette. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement la recette à la lettre. Ici, un petit conseil. Voilà, vous pouvez faire ces pâtes-ci vous-même. Ok, donc c'est parti. Moi, j'ai déjà mis les oignons à rissoler et la dinde également. Donc, de l'huile, des oignons coupés en 8. Moi, j'ai coupé en dés parce que les enfants, j'ai déjà fait cette recette. Ils n'ont pas aimé quand c'était en trop grosse lanière. Ensuite, on cuit les oignons. On ajoute les escalopes. Moi, j'avais mis un petit peu d'épices avec les escalopes. Et ensuite, on les cuit pendant 6 minutes. Voilà, donc ensuite on réserve dans un saladier. Donc je vous montre ce que ça donne juste ici. Voilà, mes oignons, mes aiguillettes de dinde, comme vous pouvez voir, ils sont intacts, pas hachés, rien du tout. Donc je vais les réserver directement dans le saladier dans lequel j'avais mélangé. J'avais mis un petit peu de paprika, de curcuma, de sel, de poivre et de gingembre. Parce que moi je suis obligée de mettre des épices, hein. Sinon pour moi ça n'a pas de goût. Donc voilà pour les aiguillettes, comme vous voyez ils sont, comme je les ai coupées, intactes. Voilà, donc ensuite, donc là on nous demande de mettre 20 g d'huile végétale. Moi j'utilise que de l'huile d'olive, mais après chacun fait comme il veut. Des champignons, donc coupés en deux, mais moi pareil je les ai découpés en lamelles. Après vous vous adaptez selon ce que, enfin par rapport à vos familles etc. Moi je sais que c'est plus facile pour les enfants à manger comme ça. J'ai pas lavé le bol, hein, je mets directement dedans. Je me casse pas la tête, tout aura le même goût. Et ensuite c'est parti pour une cuisson pendant 4 minutes. Donc là c'est fini pour les champignons. Voilà, on nous dit de remettre les escalopes de dinde. Voilà. Ensuite, on va recuire le tout pendant 6 minutes. Pendant que c'est en train de faire sauter les aiguillettes de poulet, je vais préparer le riz. Donc, vous n'allez pas trop voir, mais voilà, vous voyez, les couteaux ne tournent pas, c'est juste en train de faire réduire. Mais bref, vous n'allez pas voir avec la buée. Du coup, en attendant que ça chauffe pour aller plus vite, je vais venir préparer mon riz dans ma petite casserole. J'aurais pu le faire au Thermomix parce qu'il y a l'option rice cooker, cuisson du riz, mais pour aller plus vite parce que voilà, je suis pressée. Je vais faire ça dans ma petite casserole à l'ancienne, dans mon petit faitout. Donc là, je vais faire chauffer l'eau, ensuite je viendrai rajouter la quantité de riz nécessaire. Donc là, c'est fini, on nous demande d'ajouter 150 g d'eau. Voilà, j'ai réutilisé mon saladier, comme ça, ça rattrape, ça prend toutes les petites épices. Sur le côté, moi je vais mettre un bouillon de cube de poule parce que j'ai pas de fond de volaille maison. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je pense à en faire avec le Thermomix. Et de la crème épaisse ou liquide, comme vous voulez, vous prenez ce que vous avez. Donc moi je vais utiliser celle-ci, donc 200 g. Donc voilà, ça fait à peu près la moitié du pot. Voilà, surtout ne tapez jamais comme ça sur le bol parce que ça peut dérégler la balance, ça peut l'abîmer. Donc voilà, ensuite on ajoute un petit peu de maïzena, 15 g. Regardez comment elle est précise la balance, au gramme près. Et moi je dépasse tout le temps, sachez-le. Voilà, 16 g. Donc ça c'est bon. Et ensuite, hop, du sel, du poivre, 2 cuillères à café de moutarde. Donc moi j'ai une moutarde fine et forte, mais après vous mettez ce que vous voulez. Hop. Voilà ce que ça donne. J'essaie de mélanger. Et là, ça va juste mélanger. Donc voilà, on a terminé.
Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu. Franchement, ça sent trop, trop bon. Regardez-moi ça. Oh là là. Et la viande, elle n'est pas hachée. Hein. Je vous la montre comme ça. C'est les aiguillettes. Trop, trop bon. Je viens de goûter avec mes petits doigts. Du coup, la viande est prête. Le riz est prêt aussi. Je mets un petit sopalin pour absorber l'humidité et l'excès d'eau et éviter que ça ne colle. Et il n'y a plus qu'à verser la sauce. Un repas hyper rapide et sans complications. Je vous montre ce que ça donne. Donc comme vous voyez, rien n'est haché. Un bon plat, sain, rapide, équilibré et sans difficulté. Je vous montre tous les ingrédients qu'il faut pour le cookie géant. De la cassonade, de la farine, des noisettes, de la levure chimique, du sel, une petite pincée, un œuf, du beurre demi-sel et du chocolat blanc, noir et au lait. Donc voilà, c'est parti pour la recette. On nous demande de préchauffer le four. Donc je préchauffe mon four à 180 degrés. Hop. Et c'est parti pour la recette. Donc c'est parti, j'ai préchauffé le four. Je vais mettre les noisettes. Ensuite, je viens mettre les chocolats, donc les trois chocolats. Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Donc, il y a 60 g de chocolat noir, 60 g de chocolat au lait, 30 g de chocolat blanc. De toute façon, c'est toutes des recettes de cookies doux. Donc, j'essaierai de vous mettre les liens en barre de description. J'ai mis les trois chocolats. Je me suis trompée, j'ai pris du chocolat praliné au lieu du chocolat... C'est quoi ça ? Au lieu du chocolat noir, mais bon, c'est pas grave, je l'avais ouvert, j'avais pas envie d'ouvrir l'autre. Donc, c'est pas grave. Et maintenant, je vais mixer le tout. Donc, voilà, j'ai mixé le tout. Je vous montre ce que ça donne un petit peu. Ici, ils nous disent de réserver dans un récipient. Voilà, de transvaser et réserver. Et ensuite, on va passer à la suite. Je vous montre ce que ça donne une fois que je l'ai mis dans le récipient. Voilà, donc là on va continuer. 120 g de beurre demi-sel en morceaux. C'est vraiment des idées recettes, des idées repas hyper simples. En vrai, vous n'avez pas besoin du thermomix pour les faire. Vous pouvez très bien mélanger dans un saladier, faire cuire voilà, vos escalopes à la poêle, etc. Le riz. Jusqu'ici, c'est peut-être un peu plus facile, on va dire. Et le fait d'avoir des recettes guidées comme ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. La balance est intégrée. Vous avez juste à mettre les ingrédients et faire suivant. Il mixe, il mélange, il fait tout à votre place, il hache. Donc, c'est ça qui est top. Donc, voilà, c'est fini pour le mixage. Beurre cassonade, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, ils vous disent de racler les parois. Ensuite, je vais ajouter un œuf. Ensuite, j'ajoute la farine, puis j'ajoute la levure chimique, à peu près 6 g. Moi, je mets toujours un peu plus. Et enfin, pour finir, je mets une pincée de sel. Donc voilà, là, j'ai mixé le tout. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, on nous demande d'ajouter les noisettes et le chocolat haché. Donc, c'est ce que je vais faire, le petit mélange qu'on a réservé précédemment. Une fois que j'ai ajouté le mélange, il nous demande donc de mélanger avec la spatule pour mélanger le tout. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à l'étaler dans un moule de 18 cm. Du coup, on vous demande de prendre un moule beurré de 18 cm et après, il faudra juste l'enfourner une vingtaine de minutes. Donc moi, franchement, j'ai mesuré, psycho que je suis, et 18 cm, c'est plus petit que ça. Parce que celui-ci fait 19. Mais pour moi, franchement, je me dis que ça ne va pas être assez pour mes enfants. Donc bref, j'ai pris un moule de 21,5 quoi, donc c'est un peu plus gros, mais écoutez, on va tester comme ça. Je me dis que de toute façon, c'est censé être un cookie géant. Donc c'est parti. J'ai étalé donc à l'aide d'une spatule. Au début, j'ai étalé un petit peu avec les mains, avec un peu d'eau pour ne pas que ça colle. Et je vous montre ce que ça donne. Maintenant, c'est parti pour une cuisson à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Bon là j'ai lancé le mode nettoyage et ensuite je vais venir faire mon autre repas, comme ça je suis tranquille. Je vous montre ce que ça donne à la sortie du four. Une fois refroidi, je l'ai démoulé, je l'ai mis sur une assiette et vraiment c'est un cookie géant. Franchement je trouve ça trop trop beau et c'était hyper bon. Je vous montre aussi ce que ça donne un petit peu de l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte de l'épaisseur. Comme je vous ai dit, ils avaient demandé un moule de 18 cm, finalement j'en ai mis un de 21.
Et c'est plutôt pas mal au niveau de l'épaisseur quand même. En tout cas, il était hyper bon et les enfants, ils étaient super surpris et ils étaient super contents aussi. Bon, du coup, pour le repas suivant, ça sera une soupe de courgettes, carottes et kiri. Donc, je vous montre les ingrédients juste ici. Oignons, carottes, courgettes, eau, bouillon de bœuf. Moi, je vais mettre poulet et légumes. Sel, ensuite poivre et de kiri. Mais moi, je vais mettre de la vache kiri parce que j'ai pas de kiri. Donc, voilà. Pour une recette sans gluten, veuillez à ce que le cube de bouillon n'en contienne pas. Voilà, il vous donne des petits conseils aussi. Donc c'est parti. Donc là, ils vont nous demander un oignon. Moi, je ne fais pas forcément 80 grammes. Je vais le mettre en entier, sinon après, ça se gaspille. Une fois que j'ai mis l'oignon, je vais ajouter les carottes, donc lavées, épluchées et coupées en tronçons. Moi, j'enlève pas le cœur ni rien, je mets tout comme ça, je garde tout. Donc j'ai mis les carottes, je vais venir mettre les courgettes. Regardez comment elle est belle. C'est une courgette que ma soeur m'a donnée de son jardin. Elle a des potagers, elle aime trop cultiver. Moi franchement j'ai pas la patience pour ça, je préfère cuisiner. Elle cultive, je cuisine. Donc voilà, 600 grammes il faut. Donc les courgettes c'est bon, j'ai mis aussi un petit morceau d'une courgette qui me restait. Je vais mettre l'eau, donc 600 g d'eau. Voilà. Et ensuite, le bouillon de cube de bœuf, moi je vais pas mettre, je vais mettre un bouillon de cube de poulet. Du sel, du poivre. Et ensuite, on va juste mettre le panier à la place du gobelet doseur. Donc voilà, j'ai mis toutes les épices, sel, poivre, les petits cubes. J'ai rajouté un petit peu de courgette que j'avais en plus là, la ronde. Et c'est parti pour, hop, 25 minutes de cuisson. Du coup, les amis, c'est bon pour, c'est bon pour la soupe. J'ai juste ajouté le kiri. Oh, vous allez pas bien, si ça va. J'ai juste ajouté le lavage kiri et ensuite j'ai mixé le tout. Donc c'est bon pour ça. Pour accompagner, je vais faire des petits roulés salés. Je vais vous montrer la recette. Donc je l'ai déjà faite. Elle est là. Je l'ai faite avec le deuxième Thermomix. Je vais vous montrer la recette rapidement pour que vous puissiez avoir les ingrédients. Donc j'ai fait cette recette-ci pour faire mes roulés. Donc vous avez besoin de 35 g de beurre, 200 ml de lait, 15 g de levure fraîche ou 8 g de levure boulangère, 15 g de sucre, moi je le mets pas, 370 de farine, un peu de sel, une pincée de sel et un œuf légèrement battu. Ce sera pour la dorure. Donc moi j'ai juste pas mis le sucre en poudre et j'ai fait pour 500 de farine. Voilà, donc j'ai mis 300 de lait et j'ai mis 50 de beurre. Bref, donc voilà, vous avez juste à tout mettre en fait et mettre le mode pétrissage. Franchement, c'est hyper rapide. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai étalé la pâte vraiment grossièrement. J'ai mis des petits dés de poulet. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du thon, tout ce que vous voulez, des légumes, de la viande hachée, bref. Un petit peu de râpé trois fromages. Et là, j'ai plus qu'à rouler et à faire des tronçons. Je vous montre ce que ça donne au niveau des roulés. Sachez que vous pouvez également le faire en version sucrée avec de la cannelle ou peu importe. Du coup, voilà pour les roulés. J'ai fait deux petits plateaux. C'est parti pour la cuisson et je vous montre ce que ça donne juste après. Bon, voilà ce que ça donne pour les roulés fromage et poulet. J'ai fait deux petites. C'est encore un peu chaud donc ça fait un peu de buée. Mais franchement, ça donne trop envie. Écoutez, ils sont encore bien brûlants. Donc je sais pas si je vais réussir à en tenir un, mais. Ouh là là, non, je vais pas réussir. Je vous en découpe un juste après. Je vous montre un petit peu de plus près ce que ça donne. Regardez, franchement, c'est hyper moelleux, hyper. Bref, comme vous pouvez voir, ça se. Ouh là là, c'est un peu chaud quand même. Voilà. Ça se coupe tout seul avec une petite soupe. Franchement, un bon repas. En tout cas, j'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!